Voilà, donc en lien avec ce que vous avez fait la semaine dernière sur Python et les pages web, je vais d'abord vous montrer une vidéo et puis ensuite je vais revenir sur certains points de ce que vous avez fait. Alors, tac, comme ça c'est plus gelé. Et c'est parti! Bonjour. Comme je l'ai fait pour les bases de données, je vais refaire une parenthèse, cette fois-ci pour vous parler des bases de la programmation web, avant de voir comment on peut y appliquer Python. Encore une fois, je survolerai assez légèrement le sujet et laisserai de côté des pans entiers qui peuvent être importants. Mon but ici est d'établir des fondations sur lesquelles je pourrai m'appuyer par la suite. Nous savons tous utiliser le web et taper une adresse dans le navigateur pour aller sur un site web. Mais que se passe-t-il derrière ? Le navigateur va envoyer un message qui va transiter, via les ondes ou un câble, jusqu'à un routeur, la boîte qui vous connecte à votre fournisseur d'accès Internet. Là, des machines que l'on appelle DNS qui servent d'annuaire vont chercher à quelle adresse IP, représentée généralement par 4 nombres entre 0 et 255, correspond le nom de domaine que vous avez fourni. Soit les DNS le savent, soit ils demandent à d'autres machines. Ensuite, ils vont envoyer le message transmis par votre navigateur autour du globe avec l'aide d'ordinateur qui est sur l'aiguillage, jusqu'à la machine identifiée par l'adresse. Et si vous voulez une réponse, il faut que cette machine soit un serveur HTTP. HTTP, vous le savez peut-être, c'est l'acronyme de Hypertext Transfer Protocol qui se comprend tout seul, c'est-à-dire que c'est aussi obscur en français qu'en anglais. Et c'est le bébé d'un anglais, encore un, Tim Berners-Lee, qu'il a inventé alors qu'il travaillait en Suisse, au CERN, le Centre Européen pour la Recherche Nucléaire, dans le but de partager l'information facilement entre scientifiques aux quatre coins du monde. Quand on parle de serveur HTTP, on pense souvent machine, mais dans la réalité, c'est avant tout un programme. Et il faut savoir qu'une même machine héberge en général plusieurs services qui répondent à des interrogations qui arrivent à travers le réseau. L'adresse de la machine, c'est comme l'adresse d'un immeuble. Mais à l'intérieur, chaque service a son numéro de boîte aux lettres, que l'on appelle le port, P-O-R-T, comme pour les bateaux. Peut-être les noms de certains de ces services vous sont-ils familiers. Pour HTTP, en général, le numéro de boîte aux lettres est le numéro 80. Quand vous tapez un nom de domaine dans votre navigateur, par défaut, celui-ci va automatiquement le préfixer par HTTP 2 points, suivi par deux barres de division pour dire « Je veux parler au service HTTP de cette machine », et les messages seront automatiquement mis dans la boîte 80. Il est parfaitement possible d'avoir un service HTTP qui utilise une autre boîte aux lettres que la boîte 80. On le fait parfois à l'intérieur d'une entreprise, pour des serveurs d'accès restreint. Dans ce cas-là, il faut mettre deux points et le numéro du port, par exemple 8080, derrière le nom de la machine. Il faut faire attention avec les numéros de port parce que tous les services ont un numéro par défaut. Si vous voulez en quelque sorte squatter une boîte aux lettres, il faut tout d'abord ne jamais utiliser un numéro inférieur à 1024, ces numéros étant réservés pour des services système importants, et bien sûr s'assurer qu'aucun service n'utilise déjà ce port. Qu'est-ce que c'est que cette notion de protocole? Un protocole, c'est un ensemble d'échanges convenus qui permettent de se comprendre. Si tu me dis ça, alors moi je dois te répondre cela. On a en fait, dans la relation entre votre navigateur et un serveur web, deux protocoles importants qui interviennent. TCP qui s'occupe d'acheminer les messages de machine à machine, dans un sens et dans l'autre, et HTTP qui s'occupe du contenu du message. Pour prendre une comparaison, TCP c'est la poste. Quand vous envoyez une lettre, il y a un certain protocole à respecter pour l'envoyer. Il faut mettre une adresse correcte au milieu de l'enveloppe, la franchir comme il faut, et si tout est correct, la poste transmettra. HTTP, c'est le contenu de l'enveloppe. Par exemple, vous pouvez écrire à une agence de voyage pour demander des renseignements pour vos vacances, et le protocole pour l'agence de voyage, quand elle reçoit ce genre de demande, c'est de vous renvoyer une ou des brochures. Si vous envoyez la même demande à un plombier, problème. Le plombier pourrait vous envoyer des catalogues de robinetterie, mais c'est un autre protocole. Une chose importante avec le protocole HTTP, c'est qu'il n'a aucune mémoire. Vous envoyez une demande, on vous renvoie une réponse, mais la prochaine fois que vous envoyez une demande au même serveur, il vous aura oublié. Il y a bien sûr des méthodes pour assurer un minimum de suivi dans l'échange, mais elles ne font pas partie du protocole. Je me suis mis dans un navigateur sur une de mes machines et j'ai tapé l'adresse d'une autre machine sur le même réseau. Voilà exactement ce qui est arrivé dans la boîte aux lettres 80 de l'autre machine.
Tout d'abord, la commande principale get qui dit « renvoie-moi une page ». La barre de division veut dire que la page n'est pas précisée, donc que l'on veut la page principale du site. Puis le protocole utilisé, suivi du numéro de version du protocole. Le numéro de version est important. Moi qui suis un Français de France, comme on dit au Canada, je sais que si un Canadien m'invite à dîner, j'ai intérêt à me faire préciser l'heure parce que cela a de grandes chances d'être ce que j'appellerais moi le déjeuner. Nous employons le même protocole, le français, mais des versions différentes, et le fait de savoir dans quelle version chacun parle permet de corriger les différences et de se comprendre sans erreur. Derrière suivent tout un tas d'informations, je n'en mentionnerai que quelques-unes. Un rappel de l'adresse que je cherche à contacter, des informations indiscrètes sur mon navigateur et le système sur lequel il tourne, Windows XP en l'occurrence, le genre de réponse que le navigateur comprend, les pages HTML mais pas seulement elles. Comme j'ai installé la version anglaise du navigateur, il dit que je fonctionne en anglais. Les codages de caractères que le navigateur sait représenter, et ainsi de suite. Tout ceci s'appelle un en-tête HTTP, le plus important est évidemment la première ligne, et l'en-tête se termine toujours par une ligne vide, pas des blancs, un passage à la ligne, qui en marque la fin. Vous remarquerez que l'on ne voit pas l'adresse de l'expéditeur pour que le service puisse répondre. En fait, c'est la couche TCP qui s'en occupe. Pour reprendre ma comparaison postale, elle est inscrite au dos de l'enveloppe, pas dans la lettre. Un serveur HTTP est donc un programme qui sait interpréter ce genre de message et y répondre d'une manière compréhensible pour le navigateur. Il y a beaucoup de serveurs HTTP écrits dans différents langages. Python, nous le verrons plus tard, vient avec un serveur HTTP intégré. Mais parmi les plus connus, on peut citer IIS de Microsoft, LightHTPD, Abyss, un produit tunisien utilisé dans le projet XMLRPC qui permet d'exécuter des fonctions à travers le web, et surtout le plus connu de tous, Apache, qui est le serveur HTTP derrière la plupart des sites web. Je vais, avec l'exemple d'Apache sur un serveur Linux, tenter de vous expliquer comment fonctionne un serveur HTTP, sachant que si les autres serveurs peuvent différer au niveau des détails, les fonctionnalités sont les mêmes. Tout d'abord, j'aime bien personnaliser un peu les programmes, et en dépit de tout le respect que j'ai pour Geronimo, on m'excusera de représenter le serveur Apache par cette jeune fille, qui est tout aussi Apache, moins belliqueuse et beaucoup plus mignonne à mon goût. Quand le programme Apache va démarrer, en général en même temps que la machine, il va lire un fichier de configuration dont l'extension est .conf et qui, parmi beaucoup de choses, définit un répertoire qu'il appelle Document Root. C'est quelque chose qui ressemble en général plus ou moins à ce qu'il y a ici. Document Root représente la racine de l'arborescence de fichiers que le serveur HTTP accepte de renvoyer quand on lui demande. Il y a à la racine d'une machine Linux de nombreux répertoires, le programme Apache lui-même peut accéder à des fichiers un peu partout. Ces fichiers de configuration sont par exemple dans le répertoire etc. Mais si vous lui demandez de vous renvoyer un fichier hors de Document Root, il s'y refusera catégoriquement. En revanche, si c'est dans Document Root, il voudra bien, moyennant éventuellement quelques conditions. Le fichier de base que renvoie un serveur HTTP, c'est une page HTML. Je sais que c'est loin, mais j'en ai déjà un peu parlé dans la pythonnerie numéro 13 sur la récursion. Ce n'est rien d'autre que du texte, comme vous pouvez le taper dans l'éditeur, mais avec des balises, c'est-à-dire des codes entre des signes inférieurs et supérieurs, qui marchent d'habitude par paires, une de début et une de fin. On peut taper une page de test avec tout un tas de balises, H1 marque un titre, P un paragraphe. Le navigateur interprétera les balises pour afficher le texte hors balise de manière cohérente. Il y a dans une page HTML deux parties. L'en-tête marquée par des balises head. Regardez s'il n'y a pas un fichier qui s'appelle .htaccess. Cela, c'est propre à Apache. C'est un fichier qui permet de contrôler pas mal de choses, en particulier de protéger l'accès aux pages HTML en demandant un mot de passe. S'il n'y en a pas, il va regarder le fichier index.html et va constituer un message de retour avec un en-tête HTTP dont la première ligne est le rappel du protocole utilisé suivi d'un code et de la signification en clair du code. 200, c'est que tout s'est bien passé. Derrière dans l'en-tête, tout un tas de choses, comme le navigateur avait dit « Moi, c'est Mozilla, alias Firefox, sous Windows XP », le serveur répond « Moi, c'est Apache sur un Linux SUSE ». Et surtout, il va dire « Je t'envoie 183 octets ». Il va dire que c'est une page HTML, rappelez-vous que le navigateur avait dit qu'il pouvait comprendre différents types de messages,
et derrière la ligne vide qui marque la fin de l'entête, il va renvoyer les 183 octets de la page index.html. Quand le navigateur reçoit ce message, il prend la page HTML, utilise les balises pour afficher le texte comme il faut, et utilise la partie en tête pour afficher le titre. Nous verrons la prochaine fois de manière générale comment le serveur HTTP peut vous renvoyer des informations de manière dynamique. Puis, les principes étant établis, je vous montrerai comment on peut utiliser Python pour cela. Cette vidéo, elle explique pas trop mal comment ça fonctionne, même très bien comment ça fonctionne un peu avec l'analogie avec la poste, l'histoire du protocole, etc. Donc, vous avez pu voir que un ordinateur, un client, qui veut aller chercher une page HTML, il va s'adresser à un serveur. Et puis, ça se passe en différentes étapes. Donc là, il a expliqué un petit peu plus en détail comment. Hein. Tout d'abord, on va créer ce qu'on appelle un socket. Alors, c'est un... C'est un mot tout simple pour quelque chose qui est finalement assez compliqué. Mais vous pouvez vous imaginer ça comme étant un tunnel. Tac-tac. Entre deux ordinateurs. C'est un tunnel dans lequel le client va pouvoir envoyer des informations au serveur et vice-versa, le serveur va pouvoir envoyer des informations au client. Donc, il creuse un tunnel, le client il va creuser un tunnel vers le serveur, il va dire salut c'est moi, il retourne chez lui et après il lui envoie les trucs. Il lui dit hey serveur, je voudrais la page. Et puis le serveur il lui envoie en retour tout ce qu'il faut. Donc retenez ça, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Et puis, voilà, donc c'est un socket. Ah, donc on vient de le voir. D'abord, il faut établir la connexion vers le serveur. Ça, il n'en a pas trop parlé. Et puis ensuite, il y a cette commande get qui va dire au serveur, voilà, je voudrais cette page-là. Le serveur va chercher la page et puis il va la renvoyer au client qui va afficher la page dans le navigateur. En général, dans le navigateur. Et puis vous, comme vous avez travaillé, c'est en fait Python qui fait ses demandes. Donc il crée un tunnel vers le serveur, qui demande au serveur des informations et qui va recevoir les informations. Donc il ne va pas forcément les afficher, il va les recevoir et après on peut faire des choses avec. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Un programme avec un petit exemple. Donc il y a les différentes phases ici qui sont expliquées. Donc on crée ici, c'est des commandes, c'est implémenté, il y a une bibliothèque dans Python qui permet de faire ça. Hein. On crée un socket, donc on va s'adresser ici, voilà le nom du serveur. Alors, quelque part ici, voilà, là, donc ça c'est le nom du serveur. Tout d'abord, il va falloir aller chercher quelle est l'adresse de ce serveur. Mais l'adresse, pas sous forme de nom, l'adresse sous forme de IP. Donc chaque ordinateur a ce qu'on appelle une adresse IP, enfin chaque serveur plutôt, je sais pas, 58 par exemple. Donc chaque ordinateur qui est connecté à Internet a un numéro. En fait, chaque ordinateur qui est connecté à un réseau a un numéro. Chaque ordinateur qui est connecté à Internet et qui fait office de serveur a un numéro qui est unique pour pouvoir lui envoyer des informations et pour pouvoir y accéder. Et puis il y a des... On a parlé un petit peu dans la vidéo, il y a des serveurs spéciaux qui s'appellent des serveurs DNS qui... Il y en a un petit peu partout dans le monde. Hein. Et qui sont capables de faire le lien entre l'adresse sous forme de mots et l'adresse sous forme de chiffres. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Enfin, pourquoi est-ce que
Il y a des gens qui ont décidé de faire comme ça. Bah, parce que pour un être humain, c'est quand même plus facile de retenir ça que de retenir ça. Donc c'est un petit peu comme un annuaire, si vous voulez. Il y en a un petit peu partout sur le web, des annuaires auxquels on peut s'adresser et puis dire, c'est aussi c'est un autre protocole, un type de protocole. On peut lui dire, voilà le site que je recherche, donne-moi son adresse IP. Et puis après, il renvoie ce numéro-là, et puis avec ce numéro-là, ben, on est capable, enfin l'ordinateur, le client est capable d'accéder au serveur. Et vice-versa, le serveur est capable d'accéder au client aussi. Donc ça, c'est les choses un petit peu. On ne sait pas trop ce qui se passe, c'est un peu flou. En tout cas, là, il y a l'établissement du tunnel qui se fait. Donc il y a les petits électrons qui sortent leur pioche et puis qui vont creuser leur tunnel. Ils sont super rapides, heureusement. Voilà, donc l'analogie est pas trop mauvaise. Et puis là, dans une deuxième phase, eh ben, on va chercher, on demande, donc on envoie dans le tunnel ici. Donc le tunnel, il a été créé là. Les informations sur le tunnel, elles sont stockées dans cette variable S. Et puis donc ensuite, on peut utiliser cette variable S. Et puis envoyer donc au serveur, eh ben, cette requête là qu'on a là. Donc get, donc il va chercher la page welcome.html. Si. Ça, on n'est pas obligé d'apprendre par cœur. Ah si si, tout par cœur. Vous ne devez pas apprendre ça par cœur. Certainement pas. Ce serait cruel de ma part. Alors la phase 3 ici, elle a un peu disparu. Pourquoi elle a disparu? Ben, la phase 3, elle se passe sur le serveur. Le serveur analyse et traite la requête. Et puis le programme que j'ai là, c'est le programme qui s'exécute, pardon, sur le client. Donc la phase 3, on ne la voit pas. La phase 3, c'est ce qui se passe du côté du serveur. Et puis la phase 4, eh ben, qu'est-ce que j'ai pas mis comme couleur encore? Bleu. Ouais, noir, mais noir, noir, c'est noir. La phase 4, bah, c'est d'aller récupérer la réponse qu'a renvoyée le serveur. Alors, si on regarde un petit peu tout ça. Chacun son truc, hein. Voilà. Donc le programme s'est exécuté ici. Et on a reçu la réponse, hein, c'est ce qu'il a montré tout à l'heure dans sa vidéo. C'est la réponse du serveur avec différentes informations. Donc c'est un serveur Apache, mais qui ne donne pas trop d'informations. Il ne donne pas la version, par exemple, ici. Tout ça, c'est des choses qu'on peut paramétrer. Je fais une brève parenthèse. Vous savez sûrement qu'il y a souvent des failles de sécurité dans les logiciels. Les serveurs web ne font pas exception. Et c'est intéressant pour quelqu'un qui s'occupe d'un serveur web de ne pas divulguer la version du serveur qu'il utilise. Parce qu'après, on peut aller farfouiller sur Internet et trouver, ah tiens, sur cette version-là, il y a ces failles de sécurité-là, donc je peux essayer d'aller pirater le serveur. Donc moins on donne d'informations, plus on est protégé. Ça vaut pour vous aussi, quand vous utilisez votre ordinateur. Il a montré le charmant monsieur là que il y a plein d'informations qui sont envoyées au serveur depuis le navigateur. Le système d'exploitation que vous utilisez, la version du système d'exploitation, le navigateur que vous utilisez. Si vous accédez à un serveur un peu louche, il pourrait utiliser ces informations contre vous. Donc, il y a des moyens de cacher ces informations. Mais ça, c'est. Je referme la parenthèse. En tout cas, sachez que
quand vous allez dans le navigateur, vous accédez à un serveur, vous dites pas mal de choses par rapport à la machine que vous utilisez et les logiciels qui tournent dessus, en tout cas certains logiciels qui tournent dessus. Donc c'est pas anodin. Et puis là, bah, il renvoie le texte de la page HTML. Voilà. Donc c'est les différentes phases qui sont faites. Ensuite, alors, à quoi ça peut bien servir tout ça? Plein de choses. Un exemple intéressant, c'est celui-là. On va lire les informations de la météo, et puis on utilise un synthétiseur, qu'on va les lire, enfin on va les chercher plutôt, parce que, et puis on utilise un synthétiseur qui va les lire à haute voix. Est-ce que vous voyez une application utile de ça? Les non-voyants. C'est écrit quelque part ou j'ai pas tout lu, donc je peux pas vous dire. Alors qu'ils voient pas. Donc effectivement, voilà une application possible. C'est l'accès au site internet par des non-voyants. Qui fait ce programme-là, puis je vais y revenir, hein, et cette fonction-là dont je vais parler un petit peu après, parce que je la trouve intéressante et importante. Donc c'est un programme qui va lire la page HTML, qui enlève tous les tags HTML, donc tous les trucs qui sont entre crochets, là, c'est pas des crochets, c'est des... Comment on appelle ça ? Des balises, des... C'est des balises. Non, c'est pas des balises, c'est des chevrons. En français. Je sais plus. C'est égal. Enfin, les inférieurs, supérieurs. Oui. Je me souviens plus. Non, il y a un truc. Voilà. SHTML. Oh là là. Oui. J'avoue que je sais pas, donc voilà, allez voir. Écoutez, je vous en dirai pas plus maintenant. J'irai me renseigner, je sais pas. Je sais pas. C'est un type de page HTML, en tout cas, avec des informations en plus dedans, qui peuvent être utilisées pour faire des choses apparemment très intéressantes, mais quoi exactement, je sais pas. J'ai jamais utilisé ce genre de choses, donc je vais pas commencer à essayer de vous dire que je sais et puis vous raconter des bêtises. Je ne sais pas. J'ai dû admettre à mes élèves que je ne savais pas quelque chose. Donc, opération intéressante, ici, on enlève les tags HTML, parce que sinon, quand on va aller faire une synthèse vocale, ça va être un petit peu embêtant. HTML, head, et puis après, il y a title. Ça va vous lire toutes les balises aussi, donc c'est un peu embêtant, donc on les enlève. Et puis après, bon, on peut aller chercher des informations. Donc, ici, dans HTML, on a maintenant une chaîne de caractères, donc on a du texte. Et puis dans ce texte, on peut aller chercher des informations. Où est-ce que commence ce texte-là? Et puis, où est-ce que commence ce texte-là? Et puis après, on va aller... Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez des chaînes de caractères, parce qu'on a vu ça un petit peu. On va aller chercher dans la chaîne HTML ici. Dans la chaîne HTML ici, on va aller chercher seulement l'information qui se trouve entre la position start et la position end, qui sont... start, la position de là où se trouve Sydney, machin, et la position N, la position de là où se trouve summary. Oui. Donc, je vous rappelle, une chaîne de caractères. Qu'est-ce qu'on va faire? Bonjour.
ça farte. Alors, pardon. Brise de Nice, non ? Ah bah oui. Bonjour, ça va ? Donc c'est une chaîne de caractères, c'est un texte. Hein. Et puis chaque caractère est numéroté. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. D'accord. Et puis donc là, si on va chercher entre 3 et 10, eh bien, il va prendre tous les caractères entre 3 inclus et 10 exclus. Si je me trompe pas. Je vais tout de suite vérifier. Tac. Python. Alors, phrase égale, qu'est-ce que j'ai mis ? Bonjour, ça va ? Tac, et maintenant, si je vais chercher phrase, je ne sais pas si je vais trouver les crochets, parce que je ne sais pas où ils sont aussi, voilà. Alors, phrase, et puis j'ai dit que je prenais quoi ? Entre 3 et 10, bonjour, ça va, il s'arrête à A. Il est un peu perturbé. Ah non, bonjour, ça, voilà. Et puis il n'a pas pris l'espace derrière. Ça, c'est les caractères un peu bizarres parce que j'ai mis. Attendez, je vais mettre sans la cédille parce que ça le perturbe. Voilà. Bonjour, ça. Donc le premier est inclus, le dernier pas. Toujours un peu. Voilà, donc ça permet ici d'aller chercher un petit peu les. Les balisations, on va regarder la météo pour Sydney. Sydney. Et puis qu'on regarde un petit peu à quoi ressemble la page. Donc il y a plein de choses dedans. Hein. Vous voyez ? Maintenant, je vais aller chercher Summary. Et puis c'était quoi, Summary 4 ? Je me souviens plus. Ah non, c'était ça. Je me suis trompé. Voilà. Là, donc on va aller chercher celui-là. Et puis... Ça doit se finir quelque part par un summary qui se trouve où ? 148 ? 248 ? Là. Hein, donc on va chercher entre là et là. Alors il faut s'imaginer ici, on n'a plus toutes ces balises. Donc ce qu'il va prendre, c'est ça, 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 enfin, tout ce qui est texte, ça. Ça, ça, d'accord. Ah, je suis déjà allé trop loin, pardon. Je suis beaucoup trop rapide. Donc on arrive à retrouver les informations comme ça. Alors maintenant, maintenant. La fonction sur laquelle je voulais revenir, c'était celle-ci, que je voulais pas mettre là, que je voulais mettre sur une nouvelle page, c'est pas grave. Donc, voici ici une fonction, vous vous souvenez, qui prend un paramètre S. Ce paramètre S, c'est du texte. C'est du texte avec balise. HTML. Et puis l'idée ici, c'est d'enlever les balises pour garder que le texte. Et puis comment ça marche ? Eh ben, on va regarder les caractères du texte un par un. Alors, si je regarde la page, je l'ai effacée maintenant. Je prends n'importe quelle page, je sais pas moi, n'importe quelle page. Allez.
N'importe quelle page. Ah, c'est pas terrible ça. On va prendre quelque chose de mieux. Qu'est-ce qu'on va prendre? Non, c'est CSCFR. Si j'y arrive. CSCFR. Alors, est-ce que c'est sympathique ça? Ouais, ça va. Donc il y a tout plein de balises. Hein. Donc on prend les caractères un par un. Tac, 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 tac. Et puis, on veut enlever. On veut enlever tout ce qui est entre un signe inférieur et un signe supérieur. Comment on va faire ça? Eh bien, c'est simple. Enfin, c'est simple. C'est pas simple, mais c'est pas très compliqué non plus. On va lire dans le texte les caractères un par un. Donc ça, je l'ai déjà dit au moins trois fois. Quand on rencontre un signe inférieur, ça veut dire qu'on a une balise qui commence. Alors, quand on rencontre un signe inférieur, on va allumer une lumière quelque part. On dirait plutôt un champignon, hein. Je suis d'accord avec vous. On allume une lumière. La lumière est allumée, ça veut dire qu'on a rencontré le signe inférieur. Et puis on va continuer à lire jusqu'à ce que on rencontre le signe supérieur. Et puis là, on va éteindre la lumière. Donc là, on allume la lumière. Et là, on éteint la lumière. On éteint. Lumière allumée, lumière éteinte. Alors c'est bien intéressant, mais qu'est-ce qu'on fait? Quand on va lire un caractère, maintenant on va regarder. Est-ce que la lumière est allumée ou est-ce que la lumière est éteinte? D'accord? C'est ce qu'on fait ici. Donc, je recommence. Allumer la lumière, c'est ça. En fait, allumer la lumière, c'est on utilise une variable et puis on met cette variable à true. Sous-entendu, la lumière est allumée. Éteindre la lumière, c'est ça. On met cette variable à false. D'accord. Donc si on rencontre le signe inférieur, cette variable est égale à true. Si on rencontre le signe supérieur, cette variable est égale à false. Et ici, si c'est ni le signe inférieur ni le signe supérieur, on regarde. Est-ce que la lumière est allumée? Ou plutôt, est-ce que la lumière n'est pas allumée? Pour faire les choses dans le désordre. Si la lumière n'est pas allumée, autrement dit, si la lumière est éteinte, alors on va prendre le caractère qu'on est en train de lire, qui est ce caractère C, et puis on va venir l'attacher à, donc out, ici, c'est la variable qui va contenir le texte qu'on veut garder. Donc dans cette variable, on va venir ajouter un par un les caractères, un caractère, un caractère, un caractère, un caractère, un caractère. Le plus, là, ça veut dire on rajoute les caractères les uns au bout des autres. On va rajouter le caractère qu'on vient de lire. Si la lumière n'est pas allumée, c'est-à-dire si la lumière n'est pas allumée, non, si, attendez. Si la lumière n'est pas allumée, donc si elle est éteinte, on va faire ça, et sinon, ben, on ne va rien faire. Ça aura donc pour effet qu'on va ignorer le caractère. D'accord? Donc, dès qu'on rencontre un signe inférieur, on allume la lumière. Et puis, chaque caractère qu'on lit, donc ça en parallèle, chaque caractère qu'on lit, on regarde, est-ce que la lumière est allumée? Si elle est... Non, est-ce que la lumière n'est pas allumée? Donc, est-ce qu'elle est éteinte? Si la lumière est éteinte, eh bien, on prend le caractère qu'on est en train de lire, on vient le rajouter à notre chaîne de caractères qu'on veut avoir à la fin, donc à ce qu'on veut garder finalement. Et si la lumière est allumée, eh ben on l'ignore. Donc voilà comment ça marche. Alors, en informatique, ça s'appelle un drapeau, donc c'est pas une lumière. Pour vous simplifier encore la vie. Donc c'est un peu un drapeau. Et puis, c'est comme ça, on rencontre un signe inférieur, on lève le drapeau.
On lève le drapeau, et donc, si le drapeau est levé, on va ignorer les caractères qu'on est en train de lire. Dès qu'on rencontre un signe supérieur, on baisse le drapeau, ça veut dire qu'on n'est plus en train de lire, on n'est plus en train de lire une balise, et donc on va pouvoir prendre les caractères que... Donc c'est une notion, ces histoires de drapeau, pour vérifier si on est dans un cas ou dans un autre, pour prendre des décisions différentes, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en... en programmation. Les drapeaux. Il y a plein d'autres applications géniales, mais comme ça, là, spontanément, j'en ai pas du tout qui me viennent en tête. Bah, tout simplement, dans un jeu. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer dans un jeu? Où est-ce qu'un drapeau pourrait être utile? Savoir si un personnage, il vient de prendre une, je sais pas, pastille pour avoir un super pouvoir. Ou, hein? Pac-Man, par exemple. Pac-Man vient de prendre un super bonbon et puis il va super vite pendant un certain temps. Donc on lève le drapeau et puis ça veut dire Pac-Man, il vient de se doper. Puis on baisse le drapeau après un certain temps, ça veut dire Pac-Man, c'est bon maintenant... Tranquille, hein. Donc ça peut servir à ça, par exemple, dans un jeu.